Monsieur Pedro, vous oubliez la trompette. Ah, mais ça, c'est pour lorsque nous le mettrons dans sa tombe, Frijolito. Zito aimait bien lorsque vous jouiez des fois de la trompette, Monsieur Pedro. D'accord. Maman, papa dit que ça te fait plaisir lorsque je me conduis bien. Alors tu peux te réjouir parce que le dernier jour d'école, mon professeur m'a félicité parce que je suis une très bonne élève. Et rajoute 13 espiègles. Dulce Maria, dis-lui ça aussi. Eh ben, bon, un tout petit peu espiègle, mais juste un tout petit peu, hein. Bon, eh bien, Ezito repose maintenant en paix, Frijolito. Monsieur Pedro, le truc du curé. S'il te plaît. Faites-le, monsieur Pedro. Ici, à Ciudad Esperanza. Nous qui nous trouvons réunis ici, en cette émouvante cérémonie, prions le Seigneur. Ah, Dieu. Enfin, mon amour, Dieu est le Seigneur. Ah. Bien. Alors prions pour Dieu notre Seigneur, qu'il emporte Huesito au paradis des chiens et que là-bas il soit très 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 heureux. Maman, maintenant que Huesito est au ciel avec mon papa, c'est sûr ils sont en train de jouer, n'est-ce pas maman? Maman, ça c'est la tombe de mon chien, mais celle de mon papa, je ne sais vraiment pas où elle est. Maman, dis-moi, où est-il, mon papa? Tu le sais, mon amour, au ciel. Huesito, lui aussi, est au ciel, et dans ce petit morceau de terre. Alors mon papa, tu sais, lui aussi, il doit avoir un petit morceau de terre. Allons-y, d'accord? On doit partir. Papa, je te laisse ici la nourriture préférée de Huesito. Un jour, tu devras dire la vérité au petit, ma fille. Hé ! Attendez ! On n'a pas fait le Notre Père ! Papa, pourquoi maman est-elle morte le jour de mon anniversaire ? À quoi tu penses, maman? À quoi je pense? À ta sœur Corinna. La pauvre petite. Si elle m'avait écoutée. Ah, si elle t'avait écoutée, quoi, maman? Elle ne serait pas retombée enceinte. Elle avait déjà Daniela. Toi aussi, tu as eu deux enfants. Ou peut-être que tu m'as acheté au marché? Un enfant, c'est bien suffisant. Avec le deuxième, tu grossis davantage et ton mari t'abandonne. Mais moi, je n'aurais pas ce problème. Parce que je ne pense pas avoir d'enfants. Ton petit ami le sait? Ignacio n'a pas besoin de le savoir. Mais il t'a jamais parlé d'avoir des enfants quand vous vous marierez? Évidemment que si. Mais ce n'est pas en parlant que je vais tomber enceinte, tu ne crois pas, non? Et qu'est-ce que tu vas faire quand il te dira qu'il veut être père? Facile. Je m'en chargerai sans qu'il le sache. Si tu m'avais écouté. Maintenant, nous serions en train de préparer ton mariage avec Francisco. Lui, il a de l'argent et deux filles. Francisco est mon beau-frère. C'était ton beau-frère. Et si tu avais été intelligente?
Maintenant, tu serais sa fiancée, pas celle de son frère, tu comprends? Allons chez moi, je vous préparerai un petit thé pour que cette douleur vous passe. Regardez juste le teint que vous avez. Ah, Evangelina, vous et vos petits thés. Pedro, on verra si vous direz la même chose quand vous irez mieux. Au revoir, mamie. Nous allons jouer au football. Que la Vierge me le protège. Tu écoutes ta maman et tu t'éloignes pas du tout du parc, hein? Non, mamie. Dites-moi la vérité. Mon petit-fils ne vous a-t-il pas brisé le cœur à l'enterrement, monsieur Pedro? Oh, ne m'appelez pas monsieur. Cela me fait sentir si vieux. Vous avez entendu quand il m'a parlé de son père? Oui. Je vous jure que ça m'a brisé le cœur, Pedro. Ça, c'est ma véritable peine avec Margarita. Elle devrait dire la vérité à Frigiolito. Dire la vérité au petit? Lui dire qu'il n'a pas de père? Lui dire que son père n'est pas mort. Je sais bien que Dieu n'a pas une agence d'emploi. Mais il peut me donner un petit coup de main, non? Peut-être si tu le lui dis. Ah, tu penses qu'il est en train de me punir d'avoir menti à mon fils, n'est-ce pas? Pauvre petit, il souffre moins en pensant que son père est mort. Aidez-moi, petite Vierge. Aidez-moi à faire en sorte qu'il soit mort pour moi aussi. Comment faire? Comment faire pour ne pas penser à tout ce qu'il m'a fait? Comment faire? Enfin de retour à Ciudad Esperanza. Je pensais que tu n'allais jamais sortir de là. Moi, comment vas-tu? J'avais énormément besoin de parler avec la petite Vierge. Et comment tu as su que j'étais là? Eh bien, j'ai regardé le ciel et j'ai vu un nuage noir. Parce que je t'ai suivi depuis que nous avons quitté l'enterrement des Ito. Tu es folle. Maintenant que Zito est allé au ciel, il ne me reste plus que toi comme ami. Nous sommes pareils. Moi aussi, je n'ai qu'un seul ami et c'est toi. Peut-être parce que nous sommes pauvres. Et qui est-ce qui t'a dit ça? Mon papa, il dit que nous les pauvres, nous n'avons pas beaucoup d'amis, tu sais. Dis-moi, Frigiolito, comment on sait si on est pauvre ou si on est riche? Tonio, j'ai vraiment très faim. Ça te plairait qu'on achète une vraie grosse galette au jambon? J'adorerais! Combien est-ce que tu as de fric? J'ai pas un centime. Bah tu vois, c'est pour te démontrer pourquoi nous sommes vraiment pauvres. Ah oui. Mais jusqu'à quand exactement? Jusqu'à quand tu vas refuser de parler au moins du père de ton fils? Jusqu'à ce que je puisse me le sortir de la tête. Mais écoute, Frigiolito t'a même posé des questions sur sa tombe. Et toi, muette, rien, tu ne peux même pas répondre à ton fils quand il te parle de ce type. Ah, viens, viens, viens. Quatre coins de porc frites à emporter, s'il vous plaît. Ah, ne sois pas têtue, Margarita, parle. Parle, c'est bon pour le cœur. Au moins, raconte-moi, comment est-ce que tu l'as connu? Mon amie Olga me l'a présenté. Celle du salon de beauté. Olga sortait avec Lucho, qui maintenant est son époux. Lucho avait un ami, et voilà pourquoi on a organisé une sortie à quatre. Quand je suis arrivée, et que je l'ai vue, eh bien, au début, je me suis comportée comme une idiote. Bonjour. Bonjour. On devrait te mettre en prison pour avoir ses yeux. Tu es magnifique. Magnifique. Oui.
Rien qu'en te regardant, j'ai découvert ce que c'est que d'être aux anges. Il était étudiant en médecine. Tout du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Comme le reste, c'était un mensonge. Pendant combien de temps avez-vous été fiancée ? Fiancée ? Mais je ne l'ai vu que ce jour-là. Et cette nuit ? Cette nuit que j'aimerais tellement oublier. À quoi trinquons-nous ? À la vie. Et aux yeux les plus beaux que j'ai vus dans toute ma vie. Nous allons faire comme à l'église. Avec cette bague, je veux m'enchaîner à ses yeux et les regarder le reste de ma vie. Tous les jours. Tous les jours. Ah, mais quelle horreur! Regarde dans quel état tu t'es mise. Laisse-moi aller te chercher quelque chose pour que ça te passe. Je reviens tout de suite. Margarita. Tu vois pourquoi je ne veux pas parler de lui. À peine je commence à m'en souvenir et je me mets à pleurer de colère. Parfois, ce que je ressens, je sens bien que ça m'étouffe terriblement. Je peux te dire une chose. Je ne sais pas de quoi je serais capable si je le rencontrais à nouveau. Je ne sais pas. Tiens, vas-y, bois. Viens! Que tu es grande! Viens, laisse-moi te regarder! Oh, waouh! Regarde! Maintenant, tu es une vraie demoiselle! Mon papa m'a pourtant dit que tu venais la semaine prochaine! Oui, c'était l'idée, mais elle me manque tellement, ma douce princesse, que j'ai avancé mon voyage. Et qui est ta douce princesse? Comment ça, qui est ma douce princesse? Comment t'appelles-tu? Dulce, mais je ne suis pas une princesse. Oui, mais tu es ma belle princesse. Mon papa dit aussi que tu vas te marier avec ma tante Chantal. Ah, mais tu es aussi une petite princesse fouineuse. Et que tu vas rester vivre avec nous pour toujours. Pour toujours, c'est très longtemps. Maintenant, viens, accompagne-moi, nous allons leur faire la surprise un par un. Nous ne pouvons pas travailler comme ça, Tonio. C'est que nous sommes petits. Allons plutôt chez moi récupérer mon petit banc. Nous devons résoudre ce problème maintenant. J'aimerais être comme cet homme. Policier ? Non, grand. Ah ! Ah ! Que s'est-il passé, tante Chantal ? Tu t'es fait mal ? Ne regarde pas !
Ne regarde pas. Toi, ne regarde pas. Dulce, cache les yeux de ton oncle Ignacio. Je n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Oh, mais c'était quoi ce cri? Oui, on peut savoir ce que c'était ce cri. Ignacio. Mon frère. Petit frère. Votre frère. Votre frère. Et voilà. L'écho. Elle répète tout ce que tu dis. C'est une plaisanterie, Madame Lucrezia. Ou vous préférez que je vous appelle belle-maman? Non, non, belle-maman, non. Je ne serai jamais votre gendre préféré. Cette place, tu l'as, toi, pour toute l'éternité. Chantal, tu es toute nue. Laissez-moi vous dire que vous avez une fille très jolie. Figurez-vous que je vous imagine nue et... Je rigole, c'est une blague. Si vous prétendez être drôle, vous n'y parvenez pas. Une dame ne doit pas se présenter de cette façon devant son fiancé. Chantal, ta mère a raison. Enlève ta serviette. Comment? Oui, qu'elle enlève sa serviette et qu'elle s'habille. Une femme ne peut pas se présenter ainsi devant son fiancé. Tu peux me donner un baiser pour me dire bonjour, non? Non, pas avant que tu t'habilles. Tu as bien entendu ta maman. Allez Chantal, habille-toi, je vais te montrer ta nouvelle chambre. Comment? Ça a toujours été la chambre d'Ignacio et elle le restera. C'est logique. Vous n'allez pas partager la même chambre avant le mariage, non? Allons-y, Dulce. Viens par là. Allez, on descend, Natio. On y va. Ah, au fait, si tu veux, tu peux rester dans cette chambre. Et toi, tu vas dormir où? Là, avec toi, enlacé. Ça, oui. Oui, nous mettrons un baillon sur la bouche de ta maman pour ne pas l'entendre. Habille-toi. Tout est arrivé cette unique fois? Alors Frigolito est né à ce moment-là? Je suis sûre que ce misérable a mis quelque chose dans mon verre. Comment ça, il a mis quelque chose dans ton verre? Oui, oui, ensuite j'ai appris que ça arrivait à beaucoup de femmes. On met quelque chose dans leur boisson et ensuite elles ne savent plus rien de rien. Ah, et tu crois que c'est ce qui t'est arrivé? J'en suis presque certaine. Peu de temps après, avoir terminé ma boisson, je ne sais pas, j'ai commencé à me sentir très bizarre. Je me suis sentie comme agitée, comme excitée, comme si tout m'était égal. Et quand je me suis réveillée, j'étais seule et nue dans l'appartement d'Olga. C'est là que je me suis rendu compte que... Mais ça, c'est un viol, Margarita! Et qu'est-ce qu'il t'a dit lorsque tu l'as revu? Jamais je ne l'ai revu. Olga, s'il te plaît, quelqu'un doit bien savoir où je peux le trouver. Arrête-toi, Margarita, arrête-toi! Ça fait 3 mois que je te le dis, nous ne savons rien. Ni Olga, ni moi ne savons quoi que ce soit. S'il te plaît, je vais devenir mère. D'abord, 2 choses. La première, tu aurais dû faire attention, Margarita. Et la seconde, tu n'as pas de raison d'avoir cet enfant. Olga, s'il te plaît, tu es mon amie. S'il te plaît, toi, tu te tais. Ta petite amie se plaint maintenant, mais ça lui a fait du bien d'être avec Ignacio. Ce type m'a drogué. Il a mis quelque chose dans mon verre. Il m'a drogué. Elles disent toutes la même chose. D'abord, elles en profitent. Et après, c'est l'homme le coupable. C'est ça, n'est-ce pas? L'homme est toujours celui qui drogue. Lucio m'a dit qu'il était parti à l'étranger. Et quand reviendra-t-il? Jamais. Il est parti à l'étranger. J'ai été une idiote. Mais je ne veux plus parler de ça, d'accord? Non, non, au contraire, il faut en parler. Mais calme-toi. Ah, ma belle, je dois y aller, sinon mon patron va me flanquer à la porte. Aujourd'hui, j'ai dû lui mentir. Et pourquoi ça? Je ne pouvais pas lui dire que j'arriverais en retard au travail parce que j'allais à l'enterrement d'un chien. Alors je lui ai dit que j'allais chez le médecin. C'est que je ne veux pas qu'il se fâche. Encore moins maintenant qu'il me regarde avec des petits yeux... gourmand. Et à quoi ça ressemble des petits yeux gourmands? C'est quand on te regarde ainsi, regarde bien. Comme si on regardait un poulet en sauce. Tu es folle, Adela.
Daniela, ma grande nièce, laisse-moi te regarder, tu es très grande. Je n'aime pas qu'on m'embrasse. Très bien, tu aimes les baisers ? Pas beaucoup. Bon, alors je vais te dire bonjour ainsi, de loin. Je peux te parler ? Non. C'est bon, tout est réglé. J'ai dit à David d'aider Chantal avec ses affaires, et dans un instant, ta chambre sera prête. En plus, je lui ai dit de monter les boîtes que tu avais laissées à la cave. C'est qui, David ? Quelqu'un que j'ai ramené de l'entreprise, et il travaille ici à la maison. C'est le chauffeur, le jardinier, celui qui se charge du nettoyage en général. Imagine-toi comme elle le regarde, Lucrezia, de la tête aux pieds. Ouais, j'imagine. Ah oui, Dulce m'a dit que tu pensais que tu allais rester ici très longtemps. Mais en fait, ce sera très court. Je me marie et je pars. Ce sera toujours ta maison, Ignacio. Ton nom est à côté du mien sur le testament, alors ensuite, eh bien, je te mettrai au courant des affaires. Non, tu sais bien que les affaires et moi, nous ne faisons pas bon ménage. C'est pas mon truc. Oncle Nacho, regarde! Elle, c'est Corina, mon petit bébé. Je lui ai donné le même nom que ma maman. Je sais très bien m'occuper des bébés. Quand tu auras un enfant, je m'en occuperai aussi. Marché conclu. Quand j'aurai un enfant, tu t'en occuperas. Chantal, j'ai déjà trouvé une nourrice. Dulce va s'occuper de nos enfants. Tu pourrais dire bonjour à ta fiancée comme il se doit au lieu de parler d'enfants que nous n'aurons pas de toute façon. Comment ça, nous n'allons pas avoir d'enfants ? Tout du moins pas la première année. Je veux profiter de mon mariage. Quelques mois. Pas toi, peut-être ? Ces gamins vont en finir avec tout ce quartier ! Madame Evangelina, le ballon ! Je devrais le jeter à la poubelle ! Qui va payer la vitre cassée ? Qui ? Ne soyez pas méchante, Madame Evangelina. C'est sans faire exprès. Sans le faire exprès ? Où va-t-il tomber ? Vous devriez être en train de travailler, au lieu de déranger les gens, là, hein ? Vous êtes déjà bien assez grand pour vous faire des passes avec le ballon. Et ça ? Regardez-moi ça, la Rosita. Elle a à peine 15 ans et la voilà qui collectionne déjà des photos d'hommes. Elle est devenue aussi effrontée que son pauvre père. Et ça ? Et lorsque je suis en train de regarder mon programme préféré, arrive alors la vieille chouette et elle m'éteint la télévision. Je déteste la vieille chouette. Et elle, elle me dépasse. Oh, que faites-vous en train de lire mon journal ? Qui est celle qui éteint la télévision ? C'est moi, n'est-ce pas ? Tu écris sur moi, hein ? J'écris des choses personnelles et dans mon journal. Et vous n'avez pas le droit. C'est moi, Rosita, et j'ai droit à tout. Écoute qui parle de droit. Qui t'a donné à toi le droit de détruire ma vie ? Je ne détruis pas votre vie. Tu vis chez moi. Parce que ma sœur m'a fait venir ici quand mon père est mort, c'est tout. Ta sœur ? Tu veux dire ta demi-sœur ? Car à ce que je sache, j'ai seulement accouché d'une fille et elle n'est pas ta sœur. Pourquoi me détestez-vous, madame ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Tu es née. Voilà ce que tu m'as fait ! Bonjour ! Pourquoi est-ce que tu pleures, Rosita ? Parce que ta grand-mère me déteste. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, tu vas dresser mon petit-fils contre moi. Lorsque ma maman pleure, je lui caresse l'oreille comme ça, et ça lui passe très vite. Mon amour, ta grand-mère n'est pas une mauvaise personne. C'est juste que... Eh bien, elle a vu quelque chose que j'ai fait et elle s'est fâchée, tu vois. Mamie, c'est moi, je peux entrer ? Oui, entre, mon amour. Mamie, est-ce que tu sais où est mon petit banc ? Ton petit banc ? Ah oui, il est dans la cour et je l'utilise pour étendre le linge. Tu en as besoin ? Non. Mamie, est-ce que tu te souviens, tu sais, le jour où tu m'as offert le ballon de football et que Tonio me l'a cassé ? Tonio te l'a pas cassé. Il l'a jeté, il s'est retrouvé dans la rue et un camion l'a écrasé. Quoi ? Ce fut un accident. Parce que Tonio a tiré comme un sauvage. Et je lui avais dit qu'il serait jamais plus mon ami. Mais tu lui avais pardonné, non ?
Parce que tu me l'avais demandé et tu m'avais dit que lorsque quelqu'un fait du mal à quelqu'un, eh ben il doit lui pardonner, n'est-ce pas? Un instant. Que vient faire ici cette histoire de ballon? Tonio s'est vraiment senti bien quand je lui ai pardonné. Et moi, je me suis sentie vraiment mieux. Tonio, okay. Ma grand-mère utilise mon petit banc. Ah. Nous allons devoir inventer autre chose. Mais quoi? Elle va trouver du boulot ailleurs, je sais pas. Mmh. Allons plutôt dans le quartier d'à côté, tu sais? Là où vivent tous les gens riches? Oui, c'est ça, exactement. Oui, 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 oui. Comme ça, ils nous paieront bien. C'est clair, et avec générosité, car c'est là où travaille Adela. C'est tout près d'ici. Attends, Frigio.